Rouge, pas mal, hein, attention. Hein. Ensuite, on a track. Donc, track, c'est pour le sort qui permet de rusher. Clairement, hein, ça t'attire de 5 cases. Rusher dans le potager. Très pratique pour se déplacer. Alors, par contre, ce qui est chiant, c'est que l'effet d'avance de 5 cases, ça marche que si c'est dans l'état proie. Ça aurait pu être pas mal parce que si on avançait de 5 cases, même sur une invoque, ça aurait pu permettre de se déplacer comme un rush. Et ça, je pense, c'est limite dommage. Franchement, ils auraient pu mettre un genre de sort comme ça qui permette de se déplacer, même s'il n'y a pas l'état proie. Parce que l'état proie, là, on peut le mettre que sur un mec, si je comprends bien. Enfin, normalement, c'est ça. C'est un peu dommage, mais bon. Et pour abattage, c'est du vol de PM. Hein. Donc, c'est pas mal. Après, je sais pas si, à mon avis, Ouginak, je pensais à Ouginak et type. Moi, je suis pas en étype là, hein. Je suis en. Comment ça s'appelle? En arpel. L'arpel, très très bon corps à corps, évidemment. Ça peut être pas mal du tout, un petit Ouginak type, mais je sais pas si ça vaudra le coup parce que maintenant qu'il y a les Ossa, les Zenis, les Zenus, est-ce qu'il y aura vraiment besoin d'avoir une classe qui a une possibilité d'érosion en étype? Je pense pas. Mais bon, après je parle pour le 3v3 évidemment et le 4v4. Mais ouais, je réfléchis un peu mode feu, mode feu. Mais mode feu c'est pareil que terre, hein. Je pense qu'en mono-élément ça va pas valoir le coup. Mais je pense en bi-élément, voire tri-élément, par exemple un Ouginak en Acham, je pense que c'est quelque chose de totalement jouable. Ouginak Acham, pour moi, c'est limite. Ça va être le meilleur mode, puisque de toute façon, le mode terre pour moi c'est le moins bon et la Acham donne tout sauf de la force. Donc, moi, à mon avis, Ouginak Acham ça peut être assez sympa. Mais après, c'est pareil, c'est le début de la bêta, on connaît pas encore tous les modes. Il y a moyen de faire bien mieux peut-être. Hein. Alors, je sais pas, j'ai combien d'invoques sur ce stuff, parce que comme je vous le disais à la dernière vidéo, les invoques c'est très important, j'en ai que deux. Hein. Parce que, voilà, le roquet, le doppel. Ça c'est vraiment au niveau dégâts, c'est très important. Là j'ai pas mis dans l'état proie, je vais faire prochain tour parce que c'est un peu con. Mais c'est vraiment très important. Les invoques, vous allez voir qu'elles vont être. Enfin, je pense que ça va être vraiment la base. Hein. Comme les sacrés avec l'épée là. L'épée qui était totalement fumée, ça va être pareil quoi. Mais bon, après c'est comme tout. Trois éléments tapent à peu près pareil. Le mode haut tape un peu plus, puisqu'il y a des sorts à boost. Le mode air aussi, moi je trouvais qu'il tapait très fort. C'est un peu le niveau Rox, on est un peu sur la même longueur d'onde. Hein. Mode terre, je trouve, c'est limite ce qui t'appelle moins. Hein. Parce que là, vous allez voir, là, ça va taper très très fort. Avec ce petit mode feu, et puis voilà, le doppel, ce qui tape, plus le chien-chien. Ça, ça m'étonnerait pas que ce soit nerf. Avec une limite par tour de bonus, ou je sais pas, un truc comme ça, parce que ça me semble être assez élevé. Parce que regardez qu'on tape déjà assez fort. 1100. Je mets un coup de cac. 1400 sans coup critique. Et un dernier coup à moins 1000. Avec titanisation, je suis une chance sur deux en plus avec ce mode. Donc ouais, mode feu pas mal, mais je vois pas trop. Parce qu'en fait, les sorts de retrait PM, ils sont tellement cac que c'est. En général, quand tu veux retirer des PM au mec, c'est que. Je parle pour le 1v1, c'est que t'es loin du mec. Tu veux pas qu'il te touche, tu lui retires des PM. Là, c'est au cac, alors bon, évidemment, on peut lui retirer des PM et après, on peut se barrer. Hein. Je sais pas vraiment comment, mais ça doit être faisable. Mais c'est ça qui me dérange un peu. Entre les deux machines, ok. C'est vrai que quand on est en mode gros port, on a un bonus nébuleux aussi. Hein. Enfin, il me semble. Ouais, on a. Ça vous file un bonus de dommages de pourcent quand vous êtes en mode gros. Je l'avais pas relevé dans les vidéos, mais bon, ça se voyait, c'était limite évident. Vu que t'étais plus gros, tu tapes plus fort, ça me semble être logique. C'est pour ça que là par exemple ça tape très fort. Mais bon, le mode feu, bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais bon, je pense que là j'ai fait des modes mono-éléments. Mais à mon avis, ça va être. On va devoir y jouer avec des modes bi-éléments. En tout cas, pour. Sauf le mode air. Le mode air, je pense que mono-élément, mode air, ça va très bien. Pas de problème. Par contre, mode feu, mode eau aussi en mono-élément, je pense pour le PVM, ça peut être pas mal. Mode feu, mode terre en mono, ça me semble très très moyen. Il n'y a pas cette possibilité de jeu. Après bon, on est qu'au début de bêta, mais de ce que je vois là pour l'instant, je vais pas les jouer mono. Moi là, dès que je vais faire du PVP 1v1, je vais trouver, je pense, bi-élément en mode OR, un truc comme ça. En général, pour le mode 1v1, faut trouver celui qui tank le plus, qui... Après c'est vrai que le mode terre, c'est celui qui tank le plus, mais pour le 1v1, je le sens pas trop, quoi. Hein. Bon, je verrai, je vais réfléchir un peu pour les vidéos de PVP live. Je sais pas encore quel stuff je vais mettre. Je verrai peut-être ma pagro si je vois des mecs assez bons avec leur Ouginak. Je pourrais peut-être m'inspirer un peu de leur stuff. On verra ça. Mais vous voyez que bon, les dégâts c'est un peu comme tout. Hein. Il n'y a pas vraiment de quelque chose de choquant ni quoi que ce soit. Ça tape assez fort tout de même. Mais bon, ça après, c'est du Rox. J'ai envie de dire, toutes les classes peuvent taper comme ça. Hein. C'est pas quelque chose d'exclusif aux Ouginak non plus. Faut pas déconner.
Après voilà, il y a les points de bouclier par exemple qui sont pas mal. Mais le combo sympa, je pense qu'en fait, il ouvre le sort là. Je crois que c'est aboiement. Ouais. Tu fais le PB plus aboiement. Et vu que tu es dans l'état inébranlable, si je dis pas de bêtises, tu peux pas te faire pousser. Donc je suis en train de lire. Donc du coup, c'est le genre de combo que tu fais. Et du coup, comme ça, tu peux pas te faire enlever tes points de bouclier. Et je pense que les Zhuginer, il va falloir commencer les combats avec une bonne vitalité, genre à 4500, pour avoir justement un max de points de bouclier. Et ensuite enchaîner avec un combo aboiement qui vous permet de ne pas être déplacé. Et du coup, vous gardez votre point de bouclier sans vous prendre des dommages de poussée. Par exemple, contre un Yop. Bon, je prends un exemple vraiment random. Mais si vous êtes contre un Yop, vous faites votre point de bouclier. Lui, il est pas bête. Il va juste faire souffle ou intimidation. Il va vous revirer vos PB. Alors, si vous faites bim, petit aboiement, normalement ça marche. Hein. On va confirmer une fois que je ferai du 1v1, mais je pense que c'est le genre de combo que je vais faire. Hein. Parce que les points de bouclier, c'est un sort et ça vient tous les deux tours, c'est n'importe quoi. L'intervalle de résistance, c'est deux tours, c'est ultra fumé. Hein. Franchement, ça, je pense que ça va être nerfé. C'est ultra fumé ce genre de truc. Quand tu comptes les classes qui n'ont pas d'érosion, c'est le genre de truc qui est totalement cancer. Limite, tu commences les combats avec 5000 de vita, ça te fait 1000 points de bouclier, enfin, c'est juste n'importe quoi. C'est le genre de truc qui me fait un peu flipper, moi, sur la classe, que je pense que ça va être beaucoup trop fort en 1v1. Après, une fois de plus, le 1v1, ils en ont pas grand chose à faire. C'est dommage. Parce que, à mon avis, ouais, ça va être totalement fumé ce genre de truc. Hein. Et pour le colis, je sais pas. Le colis, je pense, ça devrait aller. Après, comme d'habitude, ça va trouver les bonnes synergies, parce que ça se trouve des synergies avec Zobal ou je sais pas quoi, ça sera totalement cheaté, j'en sais rien du tout. Parce que c'est quand même un peu un dommage dealer, hein, les Zhuginer, vu qu'il y a de l'érosion. Évidemment, ça devient tout de suite un peu dommage dealer. Mais on verra ça. Hein, on a le temps de tester encore, mais si on a fait le tour un peu des sorts et tout, on a un peu tout vu là. De ouais, toute façon, tous les sorts, le sort à 4P, il tape à chaque fois, il tape pareil avec tous les modes. Hein, il tapait toujours du 1000 environ. Pour moi, le classement, là, si je devais faire un classement avec tout ce que j'ai vu, ça serait. Ça serait le mode R en premier juste pour l'érosion, mais pour moi c'est un argument mais amplement suffisant parce que maintenant avec tous les Osa et les Zeni, les machins qui font durer les combats, l'érosion est très importante. Pour le 1v1 peut-être un peu moins, mais quand même contre certaines classes, pour moi de toute façon l'érosion, le mode R pour moi numéro 1. En plus même le sort qui est à côté, moi j'aimais bien le sort qui permet de se booster et tout. En deuxième je mettrais O, le mode O. Pour le PVM, même pour le PVP, hein, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec le mode O. Pourquoi pas pour surprendre les adversaires, parce que le mode O c'est toujours le mode de la surprise. En général c'est les mecs qui mettent moins de res O. Donc pourquoi pas un mode pour surprendre. Ensuite je mettrai un mode feu, parce que mode feu, bon, t'as en plus la possibilité d'avoir un soin si vraiment il y en a besoin. Mais à mon avis ce serait un peu scandaleux de mettre un étype sur un Zhuginer. Mais on sait jamais si vraiment il y a besoin. Puis bon, le mode feu, il y a des sorts assez sympas, l'état pesanteur surtout en fait du sort feu là, qui peut être très intéressant contre les Xelor par exemple. Voilà, c'est le genre de choses qui peuvent bien counter un Xelor. Donc pourquoi pas le mode feu, moi je vais mettre à 3ème. Et en dernier le mode terre, je suis désolé hein. Vous avez beau argumenter sur le mode terre, j'ai vu dans les commentaires, ça m'emballe toujours pas. Vous m'avez dit ouais mais ça te permet de mieux tanker, de plus résister, blabla. Ça m'a pas emballé les gars hein. Même si vous me dites je sais pas quoi, franchement j'ai trouvé ça pas foufou. Après peut-être ça va changer avec le temps hein. Il y aura peut-être des mises à jour sûrement, même qui vont changer des trucs sur les sorts, ils vont rééquilibrer et du coup se trouve le mode terre ça va devenir le meilleur, on sait pas. Enfin bref, c'était ça peu. N'hésitez pas à laisser un max de likes, je pense qu'on s'arrête là. Prochaine vidéo sera peut-être l'un 29. On verra. N'hésitez pas à me follow sur Twitter, Facebook, blablabla, vous connaissez la chanson. Et bonne soirée tout le monde.